La France a un incroyable talent, pourquoi la Grande ne sera pas diffusée ce mardi 13 décembre? La fin de la 17e saison de La France a un incroyable talent approche à grands pas. Après 8 émissions riches en surprises et parfois en émotions, les téléspectateurs de M6 vont bientôt découvrir l'identité du grand gagnant du programme. Comme chaque année, l'émission animée par Karine Le Marchand a eu le droit à son lot de surprises. C'est le cas, notamment, avec un numéro de flûte très osé, par une femme légèrement dévêtue. Ou encore le retour de Vincent le Provençal et ses chevaux, anciens participants de L'Amour est dans le Pré. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a su séduire le jury et se hisser vers la finale. En revanche, pour 13 autres candidats, dont 7 Golden Buzzés, la tension est à son comble. Lors de l'ultime finale, les téléspectateurs pourront retrouver Ryan au piano, le Circus Baobab ou encore Enzo Pebre et son cerceau aérien. Mais pour assister à la dernière émission de cette saison, les Français vont devoir être encore patients. Changement de programme, une nouvelle fois, à la télévision française. Alors que l'ultime émission, avec le retour de 6 autres candidats, est très attendue par le jury, les téléspectateurs et le public. L'attente risque d'être légèrement plus longue que prévu. En effet, alors que la grande finale aurait dû être diffusée ce mardi 13 décembre à partir de 21h, la chaîne, M6, a pris la décision de s'en priver pour une courte période. Pour celles et ceux qui n'auraient pas remarqué, la finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar approche. Et les demi-finales ont lieu cette semaine. Vous l'aurez compris, en raison du match de la Coupe du Monde opposant l'Argentine à la Croatie diffusé à 20h sur TF1, M6 a préféré ne pas diffuser son programme face à un rendez-vous d'une telle ampleur. Les téléspectateurs de La France a un incroyable talent pourront alors retrouver la finale le mardi 20 décembre. Et si vous n'êtes pas fan de football, vous pourrez retrouver, ce mardi 13 décembre sur M6, un épisode de Cauchemar en cuisine, diffusé au mois de mai dernier.